J'ai étudié la photographie, je trouve que c'est vraiment un métier intéressant et oui, on en a besoin. Oh, c'est très polyvalent, faut être passionné déjà, mais en gros, l'audiovisuel, c'est des techniciens d'image et de son qui utilisent leurs compétences artistiques et techniques pour faire un produit audiovisuel. Ici, en audiovisuel, on voit tout ce qui est la photo. À la base, on a vu tout ce qui est argentique. Donc on a vu les photos d'avant, ceux de maintenant, et on fait beaucoup, beaucoup de numérique. Voir le résultat final, travailler pour trouver les bonnes lumières, être créatif dans les photos, chercher ce qui est le meilleur angle, la meilleure lumière, tout ça. Et on retravaille sur Photoshop par après. Je préfère être derrière l'appareil photo. Je pense que c'est de voir le plaisir des gens quand on leur rend leurs photos. Et le fait de trouver ça magnifique, j'adore ça. On va vraiment travailler l'image fixe, on va éduquer le regard, on va cadrer, voir les plans, on va commencer à toucher au logiciel aussi, de retouche numérique, Lightroom, Photoshop, ce sont les principaux. Et après, tout doucement, on va aller vers de l'image d'animation, on va faire du storyboard, on va aussi commencer à apprendre le son, donc le son, bruitage, faire des petits mix, travailler du reportage, on va faire du montage, du cadrage, des scripts, voilà, on va aller vers ça. J'aime bien travailler sur des objets ou peut-être des portraits, même si on en fait parfois moins. Le montage, on a déjà un petit peu quelques bases et je trouve que c'est chouette, que c'est intéressant. Storyboard, on a déjà travaillé dessus, même si c'est plus compliqué, mais travailler plus sur la vidéo, je trouve ça tout aussi intéressant que la photo. Moi, j'essaye d'apporter un maximum de techniques, de base aux jeunes et puis bah, ils iront vers la photographie plus animalière s'ils préfèrent, macro du coup, ou alors un peu plus vers le sport, portrait. Enfin, on essaye vraiment d'élargir les différents thèmes et après, eux, ils choisissent leur filière. Je pense pas vouloir travailler pour quelqu'un parce que j'ai mes propres idées et donc je veux aller plus loin possible, le plus loin possible pour devenir indépendante.